10 longues années ont passé depuis la victoire d'Inazuma National au championnat. Après ce triomphe, l'importance du football s'est accrue de façon impressionnante et sa puissance a fini par symboliser le rang social des individus. En conséquence, les collèges qui ne présentaient aucune infrastructure pour le football ont dû fermer par manque de moyens. Le football, dont le seul objectif était de rendre les gens heureux, a fini par avoir un impact négatif sur la société. Pour contrôler cette situation, une organisation de régulation du football vit le jour, le cinquième secteur. Cinquième secteur ! Cinquième secteur ! Cinquième secteur ! Cinquième secteur ! Votre attention, s'il vous plaît. Le football doit être apprécié par tous équitablement. Les points de la victoire seront donc répartis de manière équitable, eux aussi. Nous, le cinquième secteur, nous sommes là pour appliquer cette loi, dans le cadre de l'article 5 du règlement des jeunes footballeurs. Sachez-le, le football est à présent à son apogée. Mais je suis très en retard ce matin. Bonjour, Tante Sylvia. Bonjour, Arion. Je vais en cours. À ce soir, Spotter. Passe une bonne journée, à plus tard. Fais attention en traversant. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, toi. Je m'appelle Arion Sherwind. Je fais partie du club de football du collège Raymond. Je suis très content d'avoir intégré l'équipe que j'admire depuis toujours. Mais le monde du football traverse une période difficile. J'ai détruit votre club de football. Je t'en prie, capitaine. Il ne faut pas que tu te décourages. Tiens bon. Le monde des jeunes footballeurs est dominé par le cinquième secteur. Ce sont eux qui décident qui doit gagner et qui doit perdre. Je ne les laisserai pas faire ça. Hors de question! Je refuse de perdre ainsi! Le cinquième secteur était censé sauver le football. Mais il nous fait souffrir. Nous qui aimons tant ce sport. C'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à nous battre. Pour récupérer le véritable football. Inazuma Eleven Go, le film. Griffon, les liens ultimes. Notre lutte n'était rien de plus qu'une petite brise. Mais au fur et à mesure, elle a grandi et a soufflé de plus en plus.
Alors les choses ont commencé à changer. Pourtant... Je présente mes excuses à toute l'équipe. Je suis désolé, je dois quitter Raymond. Mais enfin, pourquoi ? Coach Evans ! La déesse de la victoire est la seule qui peut décider du résultat d'un match, c'est tout. D'accord, Coach Evans. Nous allons nous battre pour récupérer le football. Nous lutterons jusqu'à ce que la déesse de la victoire nous sourie à nouveau. M'entraîner. Ah, j'ai rendez-vous juste derrière le gymnase. Ah ouais? Je vais y aller en bas du cours. Pardon, je suis très en retard. L'entraînement a sûrement déjà commencé. Mais qu'est-ce que c'est? Mais enfin, qu'est-ce que ça signifie, monsieur Goldwyn? Exactement ce que je viens de vous dire. Bonjour. Ah, Arian. T'es en retard. Je suis désolé, Sam Gook. Mais que se passe-t-il? Vous allez partir, vous et vos joueurs, aujourd'hui même. Et ce, pour quelque temps, afin que toute l'équipe participe à un programme d'entraînement intensif. Quoi? Attendez, nous sommes en plein tournoi de la route du sacre. Pourquoi devons-nous participer à ce camp d'entraînement maintenant? Ça n'a aucun sens. Tout simplement parce que le cinquième secteur vous en donne l'ordre. Voilà ce que vous récoltez à vouloir vous opposer à eux. Ils ont fait ça pour nous punir, alors... Ça m'en a tout l'air. Cette nouvelle me tracasse beaucoup, pas toi, Wanli? Je me demande bien ce qu'il manigance. C'est incroyable! La révolution est arrivée jusqu'ici. Ricardo, ça ne me dit vraiment rien qui vaille. Non, moi non plus. Et d'ailleurs, où se trouve cet endroit où nous devrions aller? Vous le saurez quand vous y serez. C'est absolument inacceptable. Un camp d'entraînement? Est-ce que tu sais ce que tout ça signifie? Tu as une idée de ce qui se trame? Non. Ça ne me plaît pas du tout! Jude. Coach Sharp, il n'y a aucune raison que nous y allions si nous n'en avons pas envie. Ah bon? Alors comme ça, vous n'avez pas envie non plus de savoir comment va votre ancien coach, Monsieur Evans, si je comprends bien. Quoi? Le coach Evans, vous dites? Vous voulez dire que nous verrons Mark Evans si nous nous rendons à ce camp d'entraînement? Tout à fait, jeune homme. Il apporte son soutien à nos services. Non, c'est impossible, vous mentez! Oh, Mark, non. Jude... Je vais quitter le poste de coach de l'équipe. J'ai besoin que tu me remplaces. Mais qu'est-ce que tu racontes, Mark? Tu es la seule personne à qui je puisse confier le club de Raymond à présent. Je t'en prie, Jude. Mais, Mark... C'est impossible! Le coach Evans ne ferait jamais une chose pareille! Je regrette, mais je dois décliner votre invitation. Je crois au contraire que nous devrions y aller. Il est possible que le coach Evans soit là-bas pour découvrir ce que complote le cinquième secteur. Et si c'est le cas, nous ne pouvons pas rester ici les bras croisés. Capitaine! D'accord, nous irons. Tu as entendu ça? Est-ce que vous croyez que tout se passera bien pour le reste de l'équipe? On ne saura que c'était un piège que lorsqu'il se refermera. Il faut que vous restiez ici, les amis. Quoi? L'équipe Raymond est la seule capable de lutter contre le pouvoir du cinquième secteur, désormais. Nous ne pouvons pas tous partir et abandonner le club. Mais Ricardo! Faites attention! Entendu. Il faut avoir confiance, tout ira bien. Oui, tu as raison. Vous n'avez pas l'impression que c'était un piège? Il savait très bien que nous n'allions pas refuser d'y aller s'il prononçait le nom de Mark Evans.
Et si le coach Evan se trouvait vraiment là-bas? Ça devient très intéressant. Nous plongeons tout droit dans la fosse aux lions. JP? Tu t'es endormi? Ah, je commence à avoir sommeil, moi aussi. Orion, tu es réveillé. Capitaine, mais où est-ce que nous sommes? Aucune idée. Orion, est-ce que tu vas bien? JP! On dirait que nous nous sommes tous endormis dans le bus. C'est une sacrée sieste qu'on a fait là. Alors c'est ici le camp d'entraînement? Mais il n'y a rien autour de nous. Alors, est-ce que nous sommes tous là? Où sont passés Sky et les filles? Non! Et où est le coach Sharp? Jade, Rosie, Sky et Madame Hills, ils ont disparu! Je suis certain que le coach et les filles sont aux mains du 5e secteur. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Victor? Qu'est-ce que... Ce site s'appelle le Sanctuaire. Ils disent que c'est un paradis céleste, mais... c'est un enfer. Tu connais cet endroit, Victor? Je crois. C'est une île déserte équipée de plusieurs structures pour former les impériaux. Une île déserte? Victor, il faut que tu nous racontes tout ce que tu sais sur cette île. Je ne suis pas resté ici très longtemps. J'ai quitté l'île au moment où j'ai reçu l'ordre de l'empereur sacré Alex Zabel d'aller au collège Raymond. Donc, je ne sais pas grand-chose. Mais il y a une chose que je peux affirmer avec certitude. C'est que les entraînements sur cette île ne ressemblent en rien aux entraînements qu'on connaît. Tous ceux qui vont devenir des impériaux ont peur de venir ici. Cette île est un lieu particulier. Non seulement le coach Sharp et les autres sont retenus prisonniers sur cette île, mais en plus, nous sommes complètement isolés du monde extérieur. Oh, c'est pas possible. Oh. Oh. Est-ce qu'on pourrait savoir qui vous êtes, vous? Et vous pensez-vous que c'est une façon de vous adresser à vos instructeurs, jeune homme? Silence! Soyez les bienvenus au Sanctuaire, le camp où l'on façonne les meilleurs des meilleurs. Je m'appelle Pincus Mountbatten et je suis en charge des structures d'entraînement. Qu'avez-vous fait du coach Sharp, de Madame Hills et des filles? Dites-nous! Seuls les joueurs de football nous intéressent. Personne d'autre. Oh, non. L'objectif de ce camp est de faire de vous des joueurs d'élite du 5e secteur, des impériaux. Je vous ai vu jouer quelques matchs du tournoi de la route du sacre. Vous vous débrouillez plutôt bien. Mais malheureusement, vous avez délibérément ignoré le magnifique article 5 du règlement des jeunes footballeurs. Il a donc été unanimement décidé que vous serez entraînés et rééduqués sous la surveillance exclusive du 5e secteur. Vous croyez vraiment qu'on a l'intention de se laisser faire? Je ne tolérerai aucun refus. Mais c'est un... Je vous présente l'équipe Lumière Éternelle, les maîtres de la lumière absolue. Allez, c'est parti! Vous allez devoir à présent affronter cette équipe talentueuse. Alors comme ça, c'est vous les joueurs de Raymond. Je suis ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Bai Long, je suis le capitaine de cette équipe. Mais c'est... Victor, toi qui avais disparu du sanctuaire, tu y es revenu bien gentiment, à ce que je vois. Je n'ai fait qu'exécuter des ordres, ce n'était rien de plus. Comment tu connais ce garçon, Victor? Si tu le dis, mais tu t'apercevras qu'aujourd'hui, toi et moi, nous ne jouons pas dans la même catégorie. Qu'est-ce qu'on fait? Nous devons jouer contre eux, nous n'avons pas d'autre solution. Nous n'allons pas vous laisser vous en tirer comme ça! Nous nous battrons! Parfait!
Dans ce cas, que le match commence! C'est parti! Allez! Arion! Il a fait ça! Comment c'est possible? Ouragan! Opalin! Il a repoussé le tir de Victor avec un autre tir! C'est impossible! Mur de chien! Quel jeu ils ont dans cette équipe? Ils ont une force impressionnante. Oh non! Ils nous ont écrasés! Il ne faut pas les laisser passer cette fois! Lucien, la passe! Ça ne ressemble pas du tout à Ricardo. L'absence de notre coach a toujours beaucoup de répercussions sur sa façon de jouer, je trouve. Il est temps pour vous de voir la différence de niveau entre nous. Quoi ? Quelle drôle de façon de jouer! C'est ça la différence de niveau? C'est donc comme ça qu'ils jouent les impériaux! Je commence à être inquiet. Ils ne ressemblent pas du tout aux impériaux qu'on a affrontés jusque-là. Tu as raison. On dirait qu'ils sont d'un autre niveau. Alors que pouvons-nous faire? Capitaine! J'ai une idée. On doit les empêcher de n'en faire qu'à leur tête. Leur vitesse de déplacement et leur maîtrise du ballon sont absolument inouïes. Nous n'avons même pas pu utiliser nos super techniques. C'est intéressant. Vous voulez dire que vous nous auriez arrêtés rien qu'en utilisant vos super techniques? Ce n'est pas avec cette mascarade que vous osez appeler football que vous nous arrêterez. Je récupérerai et garderai le ballon, quoi qu'il en coûte. Essaye un peu de m'arrêter! Ne me tente pas trop, toi! Filet de... Grande! Brune! Oh non! Je commence à en avoir marre! Il fait comme s'il était tout seul! Il a des partenaires, bon sang! Je crois qu'il essaye juste de nous prouver qu'il peut nous battre sans problème! Qu'il n'a pas besoin d'aide! Je vais vous montrer une vraie super technique! C'est terminé.
Oh, ils ont complètement écrasé l'équipe Raymond. Victor! Ils sont forts, beaucoup trop forts pour nous. Non, ça c'est impossible. Marion! Vous avez perçu la différence de niveau? Garde, emmenez-les tous au sanctuaire immédiatement! À vos ordres! Qu'est-ce que c'était? Il est très regrettable qu'il nous ait échappé, Monsieur Mountbatten. Mais non, tout se passe comme je l'avais prévu. Pour obtenir le pouvoir absolu, nos joueurs doivent être confrontés à un défi qui les pousse à extraire ce pouvoir du plus profond d'eux-mêmes. L'équipe absolue, l'équipe zéro. Très bientôt, le rêve de notre vie, notre souhait le plus cher, deviendra réalité. Oui, et si nous y parvenons, l'Empereur Sacré n'aura d'autre choix que de reconnaître l'efficacité de nos méthodes. Mais de toute manière, le pouvoir que nous cherchons dort réellement au fond de ce garçon, Arion Sherwind, n'est-ce pas? Mais où sommes-nous? On dirait que quelqu'un nous a sauvés in extremis. Ah, tu es là. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Que s'est-il passé? Je me souviens qu'on jouait contre l'équipe Lumière Éternelle et que tout à coup... Mais oui, à ce moment-là. J'ai cru voir le coach Evans. Ah, c'est vrai? Notre coach? Vous m'avez appelé? Salut! Vous êtes tous réveillés, on dirait! Coach Evans! C'est incroyable! Incroyable! Alors, je vous présente Nathan. Salut. Voici Sean. Salut, vous allez bien? Lui, c'est Jack. Bonjour. Caleb. Salut, ça va? Ce sont de vieux amis qui sont venus m'aider à mener l'enquête sur cette île. C'est incroyable! Ce sont les membres de la célèbre équipe Inazuma National! On passait juste s'assurer que vous alliez bien. J'aurais préféré que notre première rencontre se déroule en d'autres circonstances. Je trouve que ce n'est pas si mal que ça, en fin de compte. Les joueurs de Raymond d'aujourd'hui sont très chouettes! Ils jouent dans des équipes professionnelles, pas vrai? J'aurais peut-être un autographe! Laissez-les un peu tranquilles! Moi! Et je m'appelle JP Lapin et je suis défenseur en première année à l'équipe Raymond! Moi, je m'appelle Arion Sherwind et je joue aussi en première année. Bonjour, je peux me présenter? Je suis attaquant, je m'appelle Lucien Dark. Tu as dit Dark? À chaque fois que j'entends... Le nom Dark, ça me rappelle cet affreux personnage. Oui, malheureusement, le Red Dark que vous connaissez tous est mon oncle. Je sais bien que cet homme a causé beaucoup de tort à Raymond. Enfin, il en a causé à tout le monde du football. Mais d'autres personnes m'ont dit qu'en réalité, au fond de lui, mon oncle était passionné par ce sport. Et c'est justement pour ça que moi aussi, j'adore jouer au football. C'est drôle les tours que le destin nous joue parfois. Mais je crois... que c'est justement ce fameux destin qui m'a permis de jouer aujourd'hui avec mes amis. Je suis sûre que mon oncle serait très content de l'apprendre. C'est possible. Continue à t'entraîner, Lucien. Oui. Ravi de vous rencontrer. Maintenant, coach, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous faites ici? Oui, c'est vrai. Dites-nous ce que vous recherchez sur cette île. Il faut que vous me pardonniez d'avoir abandonné l'équipe comme je l'ai fait sans explication. La vérité, c'est qu'après le match contre le collège alpin, j'ai appris quelque chose de très important. Marc,
Laisse-moi leur expliquer, tu veux bien? J'ai découvert qu'ici, des jeunes étaient enfermés et qu'on les soumettait à des entraînements épouvantables pour les transformer en impériaux. Je l'ai immédiatement raconté à Marc après le match entre Raymond et le collège alpin. D'après les informations que nous avons, les impériaux viennent de plusieurs structures d'entraînement intensif, toutes dirigées par le 5e secteur. Et parmi ces différents camps d'entraînement, il y en a un qui a l'air supérieur aux autres et qui réunit les joueurs les plus doués et les plus prometteurs. C'est le Sanctuaire, cette île où ils forment des joueurs absolus. La question est de savoir comment ils y arrivent. La réponse est probablement que ces jeunes sont enfermés sur cette île et contraints de s'entraîner contre leur volonté. Si c'est vrai, ce sera un véritable scandale. Oui, ça c'est certain. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire, Coach Evans? Nous allons libérer les joueurs qui sont forcés de s'entraîner et faire la lumière sur cette horrible conspiration du 5e secteur! Vous croyez qu'Arion et les autres vont bien? C'est gentil de ta part de t'inquiéter pour eux, mais nous aussi on est dans de sales draps. Impossible de savoir ce qui se passe si on ne peut pas sortir d'ici. Je pense que nous nous trouvons dans un bâtiment du 5e secteur. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir pour obtenir plus d'informations. T'as l'air vraiment insouciante, Rosie. Je ne fais que rassembler des preuves. Oh. Arion. Je me demande bien comment vont le coach Sharp et Sky et les autres. Rassure-toi, Arion. Tu verras, on va les secourir. Coach, je suis sûr que le 5e secteur voudra nous lancer un autre défi. Ce sera l'occasion pour nous d'aller porter secours aux autres. On va devoir affronter à nouveau ces joueurs, c'est ça? Mais dites-moi la vérité, vous croyez vraiment qu'on peut gagner contre eux? Arion, tu ne pourras jamais gagner si tu n'y crois pas toi-même. C'est vrai. Que de souvenirs! Ça fait bien longtemps que je ne me suis pas allongé sous les étoiles, à parler avec mes camarades. J'espère qu'un jour, je serai un joueur comme vous. Quelqu'un sur qui tous mes partenaires peuvent compter. Tu y arriveras, ça j'en suis sûr. À vos marques, prêts, partez! Tu ne me passeras pas! Capitaine? C'est une alarme. Sûrement le 5e secteur. Marc Evans et ses idiots joueurs de Raymond, écoutez-moi dire. Dans 3 jours, se jouera un match très spécial entre vous et une équipe officielle du 5e secteur. Il aura lieu au stade du Sanctuaire, au centre de l'île. Exactement comme l'avait prévu notre coach. Et n'oubliez pas que nous avons des otages. Vous ne pouvez donc pas refuser de jouer ce match si vous voulez les revoir un jour. À bientôt! Hein? Quelle bande de lâches! Les garçons, écoutez-moi. Ils ont décidé qu'ils voulaient nous défier, eh bien nous allons les affronter. Nous les affronterons tête la première. Comment ça, tête la première? Et à votre avis, nous avons une chance de gagner? Vous avez tout oublié. Souvenez-vous de tous les obstacles qu'on a surmontés ensemble. Nous avons toujours joué pour gagner. Hier, aujourd'hui et demain, nous gagnons toujours! Nous commencerons aujourd'hui à nous entraîner! C'est parti! Oui! Sacré Alex Samuel, je tenais à vous faire savoir que le projet Zéro sur lequel nous avons tant travaillé est sur le point d'être terminé. Êtes-vous certain que Marc Evans se trouve sur l'île? Oui, mais ce n'est rien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter.
Le projet sera achevé dans 3 jours. L'équipe zéro, l'équipe absolue, verra le jour comme nous l'avions prévu. Et je vous garantis que ces petits vauriens de Raymond seront les premiers à s'écrouler devant eux. Je l'espère pour vous. Wow, regardez! On pourrait utiliser cette forêt pour les entraînements. Pourquoi pas? Oh, regardez ça! Hé, hey, regardez-moi! Quelle drôle de pose! Vous croyez que ça peut être un totem? Hé, hey, Victor, tu avais déjà vu ça avant? On dit que ces statues représentent un des esprits gardiens de l'île. Un esprit gardien? On raconte aussi que sur cette île, on jouait à un sport qui ressemblait au football, où on devait taper dans un ballon. Peut-être que c'est un ballon de football qu'il a sur la tête, alors. Si ça se trouve, c'est un esprit du football. Victor, qui va là? Eh bien, c'était plutôt pas mal. C'est dangereux d'apparaître aussi soudainement. Que se passe-t-il? Tu tombes bien, Ricardo. Il faut que je vous dise qu'on vous observe depuis la première seconde où vous avez posé le pied sur cette île. Ah oui? Vous avez fait un match, mais ils vous ont battu à plate couture, pas vrai? Je n'arrive vraiment pas à comprendre que des gens qui jouent aussi mal que vous osent s'appeler footballeurs. Nous, on joue mal au football? Vous vous trouvez dans la forêt de notre équipe Ombre Ancestrale. Et vous êtes des intrus dans cet endroit. Attends! Si cette forêt vous appartient, j'ai un service à vous demander. On aimerait pouvoir s'entraîner ici. Vous entraîner ici? Nous allons affronter une des équipes de cette île. Et nous devons gagner ce match si nous voulons libérer nos amis. Pas avec un jeu aussi mauvais. J'ai une idée. Si vous nous battez, nous vous autoriserons à vous entraîner ici, dans notre forêt. Capitaine? Marché conclu. Commençons ce match. C'est parti! D'accord. Tiens! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi est-ce qu'il gagne du temps? Allez, il faut leur mettre la pression! D'accord! La passe! JP! Vas-y! Excellent! Hé! Hey, ce n'est pas mal du tout, ça! Salut! Qu'est-ce que c'était? Arion! Attrape! Bien! Qu'est-ce qu'il fait? Encore une fois? Hymne d'Athéna! Victor! Tir surnaturel! Arc sombre! C'est tout ce que tu sais faire? Ah, qu'est-ce que tu dis? Ils anticipent toutes leurs actions. Oh non! On dirait qu'ils ont fini par comprendre ce qui se passait. C'est pas vrai! Ils sont passés entre les deux sans difficulté. Ils ont le contrôle, ils font ce qu'ils veulent de nous. Notre point fort, c'est qu'on anticipe vos mouvements pour leur enlever toute leur puissance. Ombre Ancestrale est une équipe à l'énergie négative. En défense, je crois que ça suffit comme ça. Bien, finissons-en alors. Go! Je vais l'arrêter!
Attention! Oh! Dribble Zephyr! Arion, est-ce que le bébé chèvre a été blessé ou pas? Non, c'est bon, il va bien, rassure-toi. Oh, c'est vraiment une chèvre alors? Mais qu'est-ce qui le reprend? Pardon de t'avoir fait si peur. Vous croyez qu'il a été séparé du troupeau? C'est vraiment encore un bébé. Là, on aura tout vu. Oh. Ne reviens pas, tu pourrais être blessé. Voilà, on peut reprendre notre match. Non, le match est terminé, c'est bon. Attends, Tescat. Laisse, je m'occupe d'eux, ne t'en fais pas. Bon, si tu le dis. Quoi? Mais ils quittent le terrain. Bon sang, ils sont vraiment bizarres. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Que vous est-il arrivé? Écoutez-moi tous. J'ai décidé que vous êtes libres d'utiliser cette forêt pour vos entraînements de football. Quoi? Mais pourquoi t'as changé d'avis? Et si vous voulez progresser et vous exercer sur cette île, je vous y aiderai. Mais c'est exactement le contraire de ce que tu nous as dit tout à l'heure. Ah oui, c'est parce que vous êtes très amusant. Surtout toi. Qui ça, moi? Oui, tu es très drôle. Je m'appelle Tescat et je suis ravie de vous rencontrer. Et moi, je m'appelle Arion Sherwind. Je suis ravie aussi. Les garçons, nous allons commencer l'entraînement sur cette île. Je pense que cet environnement particulier vous permettra de progresser. Allez, au travail! Oui! Tescat? J'ai passé toute ma vie sur cette île, vous savez. Et par conséquent, je connais parfaitement ses secrets. Si vous parvenez à jouer avec la nature comme je viens de le faire, vous atteindrez votre objectif. Tu le crois vraiment? Et pourquoi tu te donnerais cette peine? Ça serait vraiment fabuleux. Allez, j'ai très envie d'essayer. Oh oui, moi aussi. D'accord, on doit y arriver à tout prix alors. Comme c'est haut. Ce n'est rien, Arion. Détends-toi et observe bien où tu peux trouver des prises. C'est comme ça que tu arriveras au sommet. D'accord. J'y arriverai. J'arriverai tout en haut. Imaginez que les feuilles sur lesquelles vous sautez sont des défenseurs. Il faut trouver le bon chemin pour les battre. C'est complètement instable. On doit trouver le bon chemin pour garder l'équilibre. Bien, quand il faut y aller, faut y aller. C'est carrément impossible. N'aie pas peur et saute. C'est parti. Essayez encore, ne vous arrêtez pas. De mon temps aussi, les joueurs de Rayman devaient passer par des entraînements très difficiles pour progresser. Bon, à mon tour maintenant. Il faut surtout vous habituer au changement de rythme. J'ai pas peur. Là, c'est plutôt la panique. Oh là là. Si vous sous-estimez la nature, elle vous le fera payer. Vous voulez vraiment qu'on surfe sur le sable? Cela vous apprendra à être stable et à garder l'équilibre dans toutes les situations possibles. Alors allons-y, bon sang. D'accord. C'est pas si simple que ça. Quelle bêtise! Non! Pas facile comme entraînement. Mais c'est pour ça que ça en vaut vraiment la peine. Vous allez bien? C'est très difficile, coach. Vous trouvez? Oh oui. On s'est entraîné toute la journée. Alors quoi, vous êtes déjà épuisé après si peu? Nous ne sommes pas encore habitués à cette île. Il faut manger et reprendre des forces pour l'entraînement.
Magnifique. C'est épuisant aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà quitté cette île, Tescat? Eh bien, non. Et les autres joueurs de ton équipe? Je ne crois pas. Mais ce ne sont pas tes amis? Je ne les connaissais pas avant de faire partie de l'équipe. Tu sais quoi, Tescat? Tu es drôlement fort au football, je trouve. Je tire dans un ballon depuis que je suis tout petit, tu sais. Autrefois, sur cette île, on pratiquait un sport qui ressemblait beaucoup au football. Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça. Et dis-moi, la statue antique, elle représente un esprit du football, non? Je n'appellerais pas vraiment ça esprit. Mais ces statuettes sont ce qu'on utilisait avant pour prendre des décisions sur des sujets importants. Le football permettait de mesurer le courage d'une personne. Ah. Tu crois que c'est le chevreau de tout à l'heure? Je peux savoir pourquoi tu l'as sauvé pendant le match. Pourquoi je l'ai sauvé? Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, mais je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Dans ce cas, tu es réellement très drôle. Tu crois ça, Tescat? Si tu avais vécu à cette époque, peut-être que les choses seraient différentes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette île avait des coutumes quelque peu différentes de celles de votre monde. Un jour, alors qu'une grande sécheresse sévissait, le football avait été utilisé pour décider qui allait être sacrifié pour sauver le village. Une des jeunes filles du camp qui perdrait serait désignée pour le sacrifice. C'était la règle sur cette île. Une de ces jeunes filles avait un grand frère qui voulait à tout prix que la vie de sa sœur soit épargnée. Il aurait tout fait pour ça. Alors, il alla voir l'équipe adverse et fit promettre aux joueurs de se laisser battre et de perdre le match en échange de quelques présents. Ce garçon a acheté le résultat du match à Rion. Mais les gens du village l'ont découvert. Qu'est-il arrivé à la sœur du garçon? Elle a été sacrifiée. Donc, en fin de compte, le frère n'a pas pu protéger sa sœur. S'il avait eu la certitude de gagner, s'il avait eu le courage de jouer honnêtement, peut-être qu'il n'aurait pas agi de cette manière. Ça ressemble un peu au football que nous avons maintenant. Peut-être que ce sport a jeté une malédiction sur nous et sur l'île tout entière. Tu sais, Tescat, le football ne peut pas maudire les gens. Bien sûr que si. Peu importe, il commence à être tard. Tescat, si ton football n'est pas puissant, tu ne pourras pas sauver ceux que tu aimes. Donc la chose la plus importante, c'est de devenir fort. Tu crois vraiment ça, toi? Je ne sais pas, je ne pensais pas à ça. Si seulement les villageois de ton histoire avaient pu jouer au football simplement pour s'amuser et rigoler. Si tu n'es pas fort, tu ne vaux rien! Oh! Tescat? Demain, c'est le grand jour. Alors surtout, ne vous déconcentrez pas. Oui! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je me disais juste que Tescat n'était pas venu à l'entraînement aujourd'hui. Oui, c'est vrai, on ne l'a pas vu par ici. Allez, c'est parti! Ah.
je suis. J'y suis arrivé. Tescat, j'ai réussi. Qui est là? Je ne pensais pas que tu ferais un jour partie de cette équipe de Minus. Toi aussi, tu as changé. Bai Long, qu'est-ce que tu veux? Je veux simplement discuter avec toi. Avant, tu étais un loup solitaire. Tu ne t'ouvrais à personne. Mais à présent, regarde-toi, faisant ami-ami avec tes petits camarades. Je n'arrive pas à y croire. Tu n'as pas le niveau d'un joueur absolu, alors que je me suis entraîné très dur et que je suis plus fort que jamais. J'ai hâte d'être à demain, parce que je vais t'écraser. Hein? Mais où sont-ils? Oh. Oh. Ah, ah, je ne vois plus rien. Vite, dépêchez-vous. Un plan digne de vous, coach. On doit retrouver les garçons. Oui. Allez, relève-toi, espèce de fainéant. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives pas à invoquer ton esprit guerrier? C'est primordial pour la victoire. Tu choisis l'échec, c'est tellement plus facile. Mais non, monsieur, je vais vous montrer que je peux y arriver. Je suis prêt à tout pour faire partie de l'équipe absolue. Je ne peux pas croire qu'ils aillent aussi loin. Oh, c'est horrible de voir ça. C'est donc sur ces pratiques que Mark était venu enquêter. Ah, par là, une sortie. Dépêchez-vous. Mon appareil. Halte, plus un geste. Viens, Rosie, on n'a plus le temps. Si tu y vas, ils te rattraperont. Inutile de résister, jeune fille. Donne-nous cet appareil. Non. Oh, tiens bon! Ah, oh non! Pauvre Sky! C'est pas possible! Que va-t-on faire? Je vous promets qu'on sauvera Sky, quoi qu'il nous en coûte! C'est le grand jour. Ouais. On nous a dit l'autre jour qu'il faudrait qu'on se rende là-bas. Notre adversaire, c'est l'équipe de la lumière éternelle, non? Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Je ne sais pas si notre entraînement intensif de ces derniers jours suffira à les battre. Oh. Jouez comme d'habitude. Si vous êtes aussi bon que vous l'êtes toujours, vous gagnerez. Ah, est-ce que c'est le sanctuaire ? On dirait plutôt les portes qui mènent vers l'au-delà. Une seule chose est sûre, c'est qu'on n'a pas été invité. Bon, les garçons, tout le monde est bien allé aux toilettes? C'est surtout à toi qu'il faudrait demander ça. On dirait... Qu'est-ce que c'est? Vous sentez comme l'air est nauséabond? D'après tout ce que j'ai entendu, peu nombreux sont ceux qui ont pu sortir du sanctuaire sains et saufs. C'est incroyable que le cinquième secteur prépare ses joueurs dans un environnement aussi horrible. Bienvenue au sanctuaire. Je pense qu'on peut dire sans exagérer que chacun des spectateurs qui remplissent ce stade est votre ennemi. Alors tous ces gens sont contre nous? Je n'aime pas me répéter, mais je vous rappelle que si vous perdez ce match, vous devrez suivre notre entraînement pour devenir des impériaux. Répétez-le autant que vous voudrez. Notre réponse sera toujours la même. Niez l'évidence si vous voulez, mais vous êtes piégés. Vous ne pourrez pas sortir d'ici avant la fin de ce match. Et vous ne partirez que si vous l'emportez. Oui, c'est l'heure! À toi de jouer, équipe absolue!
Qu'est-ce que ça signifie? Je rêve où c'est l'équipe qu'on a affrontée l'autre jour. Tescat! Il n'y a pas que lui. Je reconnais certains de ses partenaires. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Tescat est avec eux? Ils ont dû lui faire un lavage de cerveau. Je voudrais éviter tout malentendu. Je me suis joint à eux de mon plein gré. Mais enfin, comment est-ce que tu as pu faire ça? Laissez-moi vous raconter la quête mythique du pouvoir absolu, ce que nous appelons le projet Zéro. Ainsi sont nés lumière éternelle et ombre ancestrale, deux équipes entraînées dans des conditions totalement différentes. D'ailleurs, le fait que vous jouiez contre ombre ancestrale dans la jungle faisait partie du projet Zéro. Lumière et obscurité, immobilité et mouvement, positif et négatif. Quand ces deux opposés s'unissent, jaillit l'équipe au pouvoir absolu, l'équipe Zéro. C'est une manœuvre minable! Mark! Hein? Oh. Jude, les filles, ça va? Sky était sous ma responsabilité. Pardon, tout est de ma faute. Peu importe. Ce qui compte à présent, c'est ce match. J'ai le pressentiment que tout l'avenir du football va dépendre du jeu d'Arion et de ses coéquipiers. Que le match commence! Il est temps de faire passer le projet Zéro dans sa phase ultime! Oui! Ce match sera bien différent du précédent! Vous allez découvrir notre vraie puissance. Arion, le football n'est qu'un moyen de mesurer la force des gens. Tu verras bien que sans force, on ne peut pas défendre ce qui nous est le plus cher. Hein? Tescat! Si tu n'as pas assez de force, tu ne vaux rien. Seras-tu capable de défendre ce qui compte le plus pour toi grâce à ton jeu? Tescat! Peu importe ce que nous avons partagé, nous vous battrons et nous sauverons le football et nos amis. À la fin de ce match, on saura enfin qui sont les meilleurs. Le match tant attendu entre le collège Raymond et l'équipe Zéro, l'équipe absolue va commencer. Et c'est moi, Othello Go, du 5e secteur, qui aurai l'honneur de vous le commenter. Et c'est le coup d'envoi. Et c'est parti, faut s'accrocher, bon sang! À toi, Arion! Quelle fusée! Ballon, gravit le ballon à Raymond et fait une passe rapide comme l'éclair! On l'a! Incroyable, Raymond est complètement paralysé face au jeu de l'équipe Zéro! Ils sont bien trop rapides! C'est ça leur pouvoir absolu, alors? Oh, non! Vous pensez vraiment qu'on peut les battre? Allez! Tous avec moi, tacticien céleste. Allez-y. Tescat. Ils ont bloqué ta tactique. Victor. Pas question que tu passes. C'est le but! Dès la troisième minute, l'équipe Zéro prend la tête! Ils sont bien plus forts que prévu. Oui. Oh non! On s'est pourtant entraîné très dur! Raymond, menez 1-0, relance une attaque! Capitaine! Attention! Maestro Virtuoso! On va utiliser mon esprit guerrier pour passer leur défense. Bailon. Oui, il est temps à présent. Regardez bien, voilà ce qu'est un esprit guerrier absolu. Astral, dragon de l'aube. Sale. Astral, dragon de l'aube, l'esprit guerrier de Bailon au pouvoir absolu. Oh, un esprit guerrier au pouvoir absolu? Il est gigantesque. Je vais marquer. Hein? Capitaine! C'est incroyable la puissance qu'il a! Ballon s'empare du ballon et part à l'assaut!
La défense de Raven est incapable de l'arrêter. Il semblerait que rien ne soit assez fort pour parer l'attaque du grand dragon de Bailong. Victor! Je t'invoque! Lançons le spadassin héroïque! Attention! C'est tout ce que vous avez? Loin de là! Viens à moi, Pégase, les talons ailés! Impossible! Aucun de ces trois esprits guerriers n'a pu l'arrêter! Non! On va le bloquer! Grande muraille! Brume illusoire! Oh non! Souffle de l'aube! Mur de guerriers! Le second but ne s'est pas fait attendre! Raymond est totalement dépassé! Que va-t-on faire si même l'entraînement spécial ne suffit pas? C'est vraiment pas juste! C'est donc ça! Le fameux pouvoir absolu. Exactement. Une équipe comme la vôtre ne pourra jamais nous battre. Arion, Victor, écoutez-moi bien. On va utiliser nos trois esprits guerriers ensemble pour les contrer. Tu as raison. Peut-être qu'en unissant nos forces, on réussira à marquer. C'est notre seule chance de les vaincre. Dès la reprise, l'équipe zéro s'empare du ballon. Et le dragon de l'aube refait son apparition. Allons-y! Ça y est, on l'a bloqué! Ah oui, tu crois ça? Le cavalier blanc! Blanc, guerrier de la lignée des fronts! Tour blanche, sentinelle royale! Fou blanc! C'est impossible! Des esprits guerriers! Cinq esprits! Il y en a partout! Tout est perdu! On n'arrivera jamais à leur reprendre le ballon! Tu as enfin compris, Arion. Vous n'êtes pas encore capable de tirer le meilleur parti de vos esprits guerriers. Voilà notre force! Nous savons utiliser tout le potentiel et la puissance de nos esprits guerriers! Essayez donc d'arrêter ça! Souffle de l'aube! Samgook doit encaisser ce tir, tout est perdu! On va leur montrer que notre entraînement a porté ses fruits! À l'attaque! Grande muraille! Brume illusoire! Filet de chasse! Mur de Gaïa! Capitaine, Victor! Qu'est-ce que... Raymond a défendu ses buts avec la force du désespoir. Grâce à eux, le score reste inchangé. Mais il semblerait que le prix à payer soit très élevé. Merci pour votre aide. Grâce à vous deux, j'ai pu l'arrêter. Samgook, vous allez bien? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est tout ce dont vous êtes capable? Il est temps de leur mettre un peu la pression. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour nous montrer votre vraie puissance? De quoi est-ce qu'il parle? Vous ne comprenez donc pas? Tout ça, c'est une expérience. Quand on soumet les gens à une forte pression, ils parviennent à repousser leurs limites. C'est n'importe quoi! On n'est pas des cobayes! Bien sûr que si. On ne vous a fait venir ici que pour nous permettre d'atteindre la perfection! Je suis vraiment déçu. Les pauvres! Quelle horreur! Allez, montrez-nous ce que vous avez dans le ventre! Capitaine! Coach, si on ne modifie pas notre tactique, c'est perdu d'avance. Tu as raison.
Ils sont vraiment très forts. Mais je sais qu'on a encore une chance. Après tout, vous n'avez pas encore utilisé ce que vous avez appris à l'entraînement. Mais coach, je vous jure qu'on joue déjà du mieux qu'on peut. Tu es vraiment sûr de ça, Arion? Ce qu'on a appris à l'entraînement? Je croyais qu'ils étaient forts. J'attends de voir la seconde mi-temps. Arion, je suppose qu'après ce match, tu cesseras enfin de croire que le football est un divertissement, comme tu t'entêtes à le croire. Mais enfin, ils veulent nous mettre à terre dès la reprise ou quoi? Pégase, les talons, allez! Arion, attends! Je vais l'arrêter! Il vaudrait mieux que tu laisses tomber! Oh. Tu n'arriveras jamais à le contrer avec ton esprit guerrier! Je dois quand même essayer! Comment ça, on n'a pas encore utilisé ce qu'on a appris à l'entraînement? Essayez de vous remémorer le temps passé sur cette île. Toutes les leçons apprises de la nature. Bien que la situation paraisse désespérée, vous pouvez gagner si vous ne baissez pas les bras. Pour surpasser ce dragon, je dois voler encore plus haut que lui! Voler jusqu'au ciel! Archipégase, le cheval des dieux! Pégase! Il s'est transformé! Attendez, Arion termine d'être convoqué à un tout nouvel esprit guerrier! Quoi? Il est joli, c'est donc ça le résultat de tout cet entraînement? Allez, Arion, montre-leur! Prétentieux! Capitaine! Maestro Virtuoso! Je le vois! Harmonie atomique! Envoi des ténèbres! Incroyable! Un tir combiné qui s'ajoute à la puissance des esprits guerriers! Morsure du serpent! Et c'est le but! Je n'arrive pas à y croire! L'équipe Zéro vient d'encaisser son premier but du match! Ouais! On a marqué! Ah, super! Ils ont su transformer leur entraînement en véritable force. Non, ouais. Toi. Bien joué, les garçons! Bien. C'est très bien, Arion. Joli travail! Ils se sont bien plus améliorés que ce à quoi je m'attendais. Je me demande si leur coach imaginait que son équipe bénéficierait autant de cet entraînement. Ils ne sont pas encore tout à fait prêts. Je pense qu'il est temps. Oui, empereur sacré. Je commence à me lasser de cette partie, bien qu'elle soit distrayante. Fini de jouer, les garçons. Finissons-en avec ce match! Oui! L'équipe Zéro a invoqué tous ses esprits guerriers avant même le coup de sifflet! Même les esprits guerriers ont leurs limites! On doit trouver un moyen de les contrer! Même si vous trouvez leur faille, vous ne pourrez jamais gagner! Unissons nos forces pour être plus forts! Allons-nous avoir droit à un autre choc titanesque des esprits guerriers? L'histoire de la première mi-temps semble se répéter! Non, attendez! Gabriel Garcia se joint à l'attaque et remonte le terrain! Il faut que tous les joueurs en défense soutiennent leur attaque! Oh, mais comment? Il n'y a qu'une chose que nous sommes les seuls à pouvoir faire! Brume et tête! Filet de chasse! Les super techniques de Gali et Thor viennent de terrasser les esprits guerriers de choix! C'est impossible! Grande muraille! Attaque, ressort! C'est au tour du pion de Spectrum de se faire battre! Comment font-ils? Merci pour votre aide! Maintenant, on est à égalité! On peut réussir! Incroyable! Capitaine! Raymond ravit le ballon à l'équipe Zéro! Ryoma et Lucien courent à présent vers les buts! Lucien! Une feinte! À moi, Osashi, le samouraï vaillant! Le coup du samouraï!
subterfuge très malin pour tromper le gardien de l'équipe zéro. Vite ! Le collège Dragon est à égalité avec l'équipe zéro. Tu as été extraordinaire, Ryoma. Merci, toi aussi. Mais ça me vide de mon énergie d'utiliser mon esprit guerrier. Ils osent jouer d'égal à égal contre nous. Bai Long, on va faire entrer quelques remplaçants. Moi-même ainsi que les autres coachs allons vous montrer comment gagner un match. C'est quoi cette histoire? Attention, attention! L'équipe zéro remplace 6 de ses joueurs! C'est ridicule! Alors Tescat, ça te paraît juste comme façon de jouer? C'est vraiment le genre de football que tu aimes? Arrêtez ça! Vous allez à l'encontre de toutes les règles! J'espère que vous réalisez à quel point la situation devient désespérée pour vous. Quelle bande de tricheurs! Laissons-les faire pour le moment. Il est temps de s'y mettre. Prêt pour une bonne leçon! On ne se découragera pas! Non! Oh non, les pauvres! Ça suffit! JP! Ce n'est pas du football! Bien sûr que non! C'est de l'éducation! Marque le but, Tescat! Alors, mon cher Marc, comment vas-tu réagir? S'il continue comme ça, ça va mal se terminer. Je n'ai plus la force de regarder! Vous ne comprenez vraiment rien. Que vous vous insurgiez n'y changera pas grand-chose. Ce match ne concerne qu'Arion et ses équipiers. Mais, Marc... Ça ne peut pas continuer. Tout ça, ce n'est pas du football! Tout ce que nous aimons dans ce sport a disparu! Et je pleure pour lui! Arion... Grand-père, tu peux voir tout ça d'où tu es. Marc, rappelle-toi que tu seras leur coach. Ce n'est pas la même chose qu'être capitaine. Tu ne seras plus sur le terrain pour servir de guide. Le pouvoir d'un coach vient du cœur. C'est grâce à mon grand-père que je suis devenu le coach que je suis. Il m'a enseigné ce qui compte le plus chez un coach. Lui-même nous a protégés en le payant de sa vie. Oui, pour un coach, ce qui compte le plus, c'est de protéger son équipe. Et cela, quoi qu'il puisse arriver! Que fait-il? Marc, tu ne comptes quand même pas... Nous y voilà. C'est votre chance de montrer votre amour du football. Hein? Comptez sur moi, capitaine. Oh. Caleb! Oui, c'est vrai, il a raison. Comptez sur moi aussi. Hein? Moi aussi. Alors, moi aussi. Désolé, Arion, mais vous allez devoir nous laisser le terrain. On prend la relève. Capitaine, les garçons. Ça va, Lucien? Oui, merci. Hé, on va s'occuper d'eux. Profitez-en pour vous reposer. Raymond aussi remplace 6 de ses joueurs. Vous l'avez fait, vous ne pouvez pas refuser. Arion. Maintenant, c'est à nous de leur apprendre le vrai football. Oui. La partie reprend après ce rebondissement sans précédent. Très bien, les garçons. Et si on joue un peu au football? Catalan! Quoi? Vous jouez comme des gamins! Le mur! Ilo, cette vieille technique dépassée! Ceci est la forme évoluée et améliorée du mur, qui se joue en ligue professionnelle. Tu vas voir! Dribble rafale! À toi, Sam! À moi, la force des éléments! Blizzard! Éternel! À toi, Jude! Tente le tir combiné! Manchot, empereur!
Incroyable! Vous avez vu comment ils se combinent? C'est merveilleux! Je n'ai jamais vu ça! C'est donc ça, le manchot empereur 2! Gravité force! Quoi? Raymond a attaqué avec force, mais le ballon passe très loin du but! Ah oh, Sky! Je veux pas voir ça! Comment ça? Ils ont fait exprès de dévier leur tir! C'est bon, voilà. Bravo, les amis! Vous croyez que vous allez gagner avec ce genre de stupidité? Attention! Est-ce que c'est la main magique? Non, je ne crois pas! Incroyable! C'est la version évoluée de sa célèbre main céleste! Vous allez voir! Je vais l'arrêter! Gabi, tu ne pourras jamais le contrer tout seul! La défense doit agir comme un seul homme! Oui, tu as raison! J'y vais! Regardons! Ne te focalise pas seulement sur le ballon et le but! Essaie de ressentir le mouvement et la position de chaque joueur! Oui! Quelle est la meilleure direction à prendre dans cette situation? À moi le ballon! Vers l'arrière! À moi de jouer! Écoute bien, JP! Essaie de te détendre, c'est la clé! Et reste à l'écoute de tes camarades et même de tes adversaires! Ton jeu n'en sera que plus intelligent! D'accord! La défense de l'adversaire est solide et compacte! Par où peut-on passer? Ça y est, ici, un chemin! Arion est en position de percer leur défense! Pour percer leur défense? Sans ce que te raconte le vent, s'il y en a bien un qui peut percer leur défense et marquer ce but, c'est toi, Arion. D'accord. Victor, voici mon conseil. Les vrais amis, ce sont ceux sur lesquels on peut compter et qui peuvent compter sur nous. Mais j'ai l'intuition que tu le sais déjà. À quoi est-ce que ça va pouvoir Victor, servir? Je suis là. Capitaine, je vais avoir besoin de ton aide. Quand tu veux. Unité! Gravité, force! Raymond rattrape l'équipe zéro grâce à un but tout à fait inespéré! Marc, je crois que tu peux être fier de tes joueurs qui ont brillamment pris votre relève. Arion, garde en toi cet amour du football que t'ont inculqué Marc et les autres. N'arrête jamais de lutter pour le football auquel tu crois. Bien, les enfants, tout repose sur vous à partir de maintenant. À vous de faire briller l'esprit d'équipe et les valeurs chères au collège Raymond. Oui! Je ne peux pas croire ce que je vois. Oui, empereur sacré. Ça suffit. Pardon. Retournez sur le banc de touche. Changement de joueur! Bailong! Si vous perdez ce match, je ne donne pas cher de votre avenir. Et j'étais assez clair. Les deux équipes reviennent à leur composition d'origine et c'est à l'équipe zéro de relancer. Bailong! Alors comme ça, ils ne donnent pas cher de nous. On est quand même l'équipe absolue! Il est rapide! Archipégase, le cheval des dieux! On dirait bien que l'attaque virulente d'Arion force Bailong à battre en retraite! Bravo, Arion! Subaru, à toi de jouer! JP! Attaque, ressort! Arion, tir combiné! Oui! Arion! Il a développé une nouvelle super technique. Il est parvenu à un contrôle total de son esprit guerrier. Ça a marché? Arion! On a réussi, JP! Raymond marque un but in extremis et se retrouve
Tu les as sous-estimés, on dirait. On a travaillé dur pour devenir l'équipe absolue. On a souffert pour arriver à ce niveau. Le collège Raymond est vraiment plus fort que ce qu'on pensait. Pas besoin d'en faire un drame. Oh ! Je veux bien admettre qu'ils sont forts, mais j'ai juré de devenir et de rester le meilleur joueur du monde. Il est hors de question que je perde contre eux. Tu veux que je libère toute ma puissance, Bai Long ? Ah. Oui, vas-y. Ce match est aussi une lutte pour l'honneur. Notre victoire n'aurait aucun sens si on ne canalise pas toutes nos forces. Ils concentrent toute leur puissance dans leurs esprits guerriers. Descat ! Fléau obscur ! Seigneur des ténèbres ! C'est son esprit guerrier ! Oh non ! Descat, une ouverture, il se dirige vers le but de l'adversaire, protégé par son esprit guerrier. Tu ne passeras pas. Non. Il a terrassé Lancelot. Il arrive. Sentence irrévocable. C'est le but. Nos deux équipes sont de nouveau à égalité. Vous allez bien? Oui. On aura la force de se servir de nos esprits qu'une seule fois encore, tout au plus. Capitaine, l'adversaire doit être dans le même état, non? Il ne reste que quelques minutes avant la fin du match. Les deux équipes utilisent leur dernière force dans cet affrontement final. Bailon! Je le savais. Arrêtez-le, ils ne peuvent plus invoquer leurs esprits guerriers. Oui, capitaine. Vous nous croyez si faibles que ça? C'est impossible. Incroyable! Il devrait être complètement épuisé, pourtant! C'est vraiment très étrange. C'est grâce à eux que je peux encore invoquer mon esprit guerrier. Nos esprits et nos forces ne font qu'un. Oh non! Ce genre de choses est possible. Et ce n'est pas tout. Le nouveau pouvoir de nos esprits. Arthur, le paladin sacré. Remontez vite en défense, il faut protéger notre but. Oui. L'âme mythique. But. L'équipe Véro est en tête à nouveau. Cela signifie-t-il la fin de ce match? Arthur, le paladin sacré. Ils sont très forts. Alors? Ça y est, vous avez compris la leçon. Arion, tu veux toujours te battre après ça? On ne s'avoue pas encore vaincu. Descat, je ne me rendrai jamais. La déesse de la victoire n'aime pas les lâches. On se battra jusqu'au bout. La partie touche à sa fin, mais les joueurs de Raymond s'efforcent de se remettre debout et luttent encore. T'en es sûr? On peut vraiment faire ça, Arion? On peut y arriver. À mon signal, vous invoquerez vos esprits guerriers. C'est une bonne idée. On tente le coup. Maintenant! Je vais vous écraser! Capitaine! Oui, esprit, unissez vos forces! Les esprits se sont connectés en parallèle pour fusionner. Et nous, on s'unit aussi! Griffon, seigneur du règne animal! Je n'arrive pas à y croire! C'est du jamais vu! Les esprits de Raymond se sont unis aussi! Bravo, Arion, continue! Regardez! En unissant leur volonté et leur puissance, ils ont réussi à générer une grande force! À l'attaque! Oui! Descat! Le football ne sert pas à mesurer la valeur des gens! Il sert à s'amuser, à passer un bon moment, il donne de la joie! C'est un loisir, un divertissement, et pas une guerre! Non, tu mens! On va lui redonner toute sa joie. On va lui redonner sa lumière, pour toi, Descat. Sabre de feu!
gagner ce match et sauver le football! Ah! Il recule! Morsure du cerveau! Son nouvel esprit guerrier surpuissant! Je ne comprends pas. On est l'équipe absolue, on devrait être plus puissant que le collège Raymond. Bailong! Hein? Tu as concentré toute ton énergie à acquérir ce fameux pouvoir absolu, sans jamais chercher à comprendre en quoi il consistait. Qu'est-ce que tu veux dire? Le but du football, ce n'est pas d'obtenir la gloire et le pouvoir. C'est d'apprendre à reconnaître l'importance des relations entre les gens et de voir la valeur tapie en eux. Mensonge ! Je refuse de vous croire ! Bailong, il y a une chose que je désirais te dire depuis mon départ de l'île. L'entraînement ici a été le plus dur et le plus instructif que j'ai jamais reçu. Si je suis revenu aujourd'hui, c'est parce que je rêvais depuis toujours de me mesurer un adversaire tel que toi. Oh. C'est un match magnifique et je prends beaucoup de plaisir à jouer. Victor. Bailong, tu te souviens du genre de football dont tu rêvais étant enfant? Cherche ce souvenir au fond de ton cœur. Ah, Tescat. Ah, ça fait longtemps que j'avais oublié cette sensation. Bailong, et si on renouait avec le plaisir de jouer? Tu as raison. Est-ce que vous avez envie de la même chose? Retrouver le vrai football où on joue pour le plaisir de jouer et de gagner en toute honnêteté. Jouons au football que l'on aime. Et je suis sûre qu'en jouant avec notre cœur, on vaincra Raymond. Oui! C'est la bonne décision, n'est-ce pas? Je veux voir le football sourire à nouveau. Oh, oh mais enfin! Ah! Il est temps de lutter de toutes nos forces! Merci. Allons-y. Oui. Zéro. Maintenant. Si vous croyez pouvoir marquer, vous rêvez. Main libérée. Très joli tir. Il a assuré. La prochaine fois, ça passera. Oui. On contre-attaque! On va marquer! Huh?
La 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 la. Qu'est-ce qui se passe? Regardez les gens. C'est incroyable, ils approuvent cette partie. Je pense que l'esprit du football est heureux de cette partie intense et juste. Arion, je suis tellement désolée. Je pensais que le football ne servait qu'à juger de la valeur des gens. Vraiment. Mais quand je t'ai rencontré, j'ai compris mon erreur. Tu m'as rappelé que le vrai football est un plaisir. Et moi, je suis heureux d'avoir fait ta connaissance. On n'aurait pas autant progressé sans vous. Merci de tout cœur. Tiens, en signe de notre amitié. Merci, je me suis bien amusée. Moi aussi, Tescat. C'est vrai, ce fut un sacré match. Vous allez faire quoi? Tu sais, Victor, je compte tout reprendre depuis le début. Il le faut bien, je compte un jour battre mon plus grand rival, non? Vous méritez. Tu es bien, oui, j'adore ton merci. Merci, je sais bien qui merci à vous. Même s'ils sont à égalité, je suis content. C'est parce qu'il y a des victoires qui ne se voient pas sur le tableau des scores. Oui, on peut en sortir grand gagnant, même à égalité. Je vous présente mes plus plates excuses, empereur, mais au moins, ils n'ont pas perdu la prochaine... Il n'y aura pas de prochaine fois. Quoi? Vous ne voyez pas ce qui s'est passé dans ce stade? On a vécu un moment très spécial. On a pu voir la révolution en action, de nos propres yeux. Merci, Bailong, sincèrement. Oh. Tescat, c'est plutôt moi qui devrais te remercier. J'y tiens, parce que tu as bien voulu t'associer à ma quête de l'équipe absolue. Mais tout a changé. Ce n'est rien. On ressent tous la même chose. Que comptez-vous faire à présent, Coach Evans? Je vais rester sur cette île encore quelques temps pour enquêter sur les impériaux. Oh non, on aimerait que vous reveniez avec nous. On va continuer à remporter nos matchs, mais vous allez nous manquer. Très bien, merci beaucoup les garçons. Et continuez à faire évoluer votre jeu pendant mon absence. Oui! Arion, je me suis tellement amusée à jouer au football avec toi. Merci encore. Mon ami. Au revoir, Tescat. Bien le football. Ça, on le savait déjà. On dirait que tu le découvres. Merci! Merci, cher football! Des enfants qui ont subi une mutation, qui ont dépassé les limites habituelles du genre humain. La génération de la seconde phase. Des rumeurs grandissantes affirment que de tels êtres sont venus au monde. L'objectif de ce lieu est de découvrir l'identité de ces enfants. Tel est le souhait de notre mystérieux bienfaiteur, Mécène X. Alex, je vous fais confiance pour ne pas ternir la charge d'empereur sacré du cinquième secteur. Je ne faillirai pas. Voici la pensée du jour. À vous de jouer, les amis. C'est aussi à vous de faire briller les valeurs de Raymond. Voilà, c'est tout.